Bienvenue dans ce sixième tutoriel du cours magistral ressources documentaires et méthodologiques L1 LLCER anglais, premier semestre, module 4, Université de Tours. Et aujourd'hui, nous allons parler de documentation numérique principalement. Accrochez-vous, prenez des notes, il y a pas mal de choses à savoir, il y a pas mal de choses que vous ne savez pas encore. Et comme ce tutoriel numéro 6 est de loin le plus long, le plus complexe et le plus détaillé de tous ceux que vous avez dû suivre jusqu'à présent, je vous en présente le sommaire détaillé. Dans une première partie qui dure environ 15 minutes, je vous présenterai le dossier lecteur, le formulaire de suggestion d'achat, le formulaire de prénavette, ainsi qu'un point sur le SUDOC, qui est un métacatalogue, et le prêt entre bibliothèques. Dans une deuxième partie, courte, 5 minutes environ, je vous montrerai à nouveau comment on peut accéder à des ressources numériques depuis Catalogue Plus. Dans une troisième partie de 4 minutes et 20 secondes, je vous présenterai le parcours numérique, l'onglet parcours numérique du catalogue informatisé de la BU. Dans une quatrième partie, je vous présenterai de manière sommaire, 3 minutes 45, les ressources les plus utiles pour les anglicistes, c'est-à-dire qu'en fait, j'annoncerai les noms et les modalités de consultation d'une dizaine de bases de données qui donnent lieu dans la cinquième partie à une démonstration détaillée. Et donc dans la cinquième partie, vous pourrez voir fonctionner ces différentes bases de données. 16 minutes 30 environ pour les archives ouvertes, une demi-heure environ pour les bases de données avec abonnement. Soyez rassurés, une partie de cette démonstration, qui dure en tout trois quarts d'heure, la cinquième partie, la plus longue bien sûr de ce tutoriel, contient des petites hésitations de ma part, ou des petites erreurs techniques, ou des problèmes de connexion. Ça veut donc dire que ça ne va pas trop vite a priori. Néanmoins, si ça va un peu vite, n'oubliez pas que vous pouvez faire pause. Ça n'est pas comme avec un cours normal, où on est obligé de lever le doigt pour faire répéter. Vous pouvez faire pause quand vous voulez, et surtout, 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 vous devez absolument prendre des notes. Ce tutoriel dure plus d'une heure. Vous devez, une fois que vous l'avez regardé une fois, avoir suffisamment de notes pour ne pas avoir besoin de vous y reporter une deuxième fois. Et tout d'abord, pour une première partie, nous allons commencer par explorer un certain nombre d'éléments du bas de page, de la page d'accueil du catalogue informatisé de la BU. Alors je vous le rappelle, pour accéder à cette page de recherche, vous devez aller dans la page d'accueil de votre ENT, cliquer sur l'onglet bibliothèque comme on l'a vu précédemment. Donc nous sommes ici sur la page de recherche à partir de laquelle je vous ai déjà montré un certain nombre d'éléments dans le cinquième tutoriel. Je vais m'arrêter tout d'abord sur un certain nombre de possibilités qui vous sont laissées en bas de page de liens conseillés et de raccourcis. Et nous allons donc nous intéresser à cette partie-là de la page d'accueil. Catalogue classique, parcours numérique, mon dossier lecteur, suggestion d'achat, prénavette et SUDOC. Et je vais commencer en fait par les quatre derniers. Pourquoi ? Le catalogue classique, nous l'avons déjà vu dans le cinquième tutoriel. Le parcours numérique fera l'objet de la plus grande partie du tutoriel que vous regardez actuellement. Et je vais donc commencer par les choses qui vont aller un petit peu plus vite. Le dossier lecteur, j'en ai déjà parlé dans le cinquième tutoriel, mais c'est l'occasion d'en reparler. Le dossier lecteur vous permet de visualiser la totalité de vos emprunts, de vos réservations, mais également de prolonger des ouvrages déjà empruntés. Et vous voyez que dans mon cas, la plupart des ouvrages que je dois rendre prochainement, le 2 octobre, j'enregistre ce tutoriel le 29 septembre, ont été renouvelés deux fois, je ne pourrai pas les prolonger. Si nous regardons ces deux ouvrages qui ont été empruntés une seule fois, enfin renouvelés une seule fois, je peux tenter de les renouveler en appuyant sur renouveler marqué, en cliquant sur renouveler marqué, puis sur oui, et vous voyez qu'ils sont désormais renouvelés et ne sont à rendre que le 2 novembre, et désormais renouvelés deux fois. Donc ça, c'était un rappel de quelque chose que je vous ai montré dans le cinquième tutoriel. Un élément intéressant, c'est la suggestion d'achat au cas où un livre ne se trouve pas à la BU et au cas où vous en soyez absolument certain.
Il se trouve que j'ai besoin de faire une suggestion d'achat. Et donc, voilà comment se passe le formulaire de suggestion d'achat. Ce ne sont pas que les enseignants qui peuvent demander à ce que des ouvrages soient achetés. Tout le monde, et donc y compris les étudiants de première année, peuvent le faire. L'accès aux suggestions d'achat est réservé aux membres de l'Université de Tours, aux lecteurs autorisés. Bien sûr, c'est votre cas. Vous cliquez sur BU Tanner parce que c'est votre BU principal de référence. Et vous rentrez les données. Je vais vous montrer, on va faire tout le processus ensemble pour la suggestion d'achat. Ensuite, vous avez évidemment les éléments principaux, auteur, titre, lieu d'édition, autres renseignements utiles. Souhaitez-vous que ce document vous soit réservé à son arrivée? Ce que je vous conseille dans ces cas-là, c'est d'avoir déjà ouvert dans une page web les informations principales pour avoir seulement besoin de les copier, coller dans le formulaire. Alors bien sûr, ici, il faut remettre dans l'ordre nom, prénom. Pour le titre, vous mettez le titre principal et le sous-titre. Pour le lieu d'édition, vous avez les infos ici qui sont données. Il s'agit en l'occurrence de Hearst Publishers, puisque je suis sur le site de l'éditeur. Vous voyez que c'est à Londres, et donc vous pouvez mettre Londres Hearst Publishers. Le livre doit sortir en octobre 2020, donc je mets octobre 2020. Souhaitez-vous que ce document vous soit réservé à son arrivée? Je mets oui. Il se trouve que par ailleurs, je l'ai acheté pour moi, mais il y a une validation de saisie dont on espère qu'elle va fonctionner, parce que c'est parfois un peu aléatoire. Et voilà, votre message a bien été envoyé. Le service acquisition vous tiendra informé des suites données à votre demande. Donc ça, c'est pour les suggestions d'achat. Dossier lecteur, suggestion d'achat. Désormais, il y a aussi le pré-navette. Alors avant de demander un pré-navette, on va, tiens, par exemple, faire une recherche à propos de Gaston Bachelard. Et là, vous vous rendez compte que on a déjà eu ce problème-là. Il faut réessayer. J'espère que ce bug va être quand même réglé assez rapidement parce que c'est un peu pénible. Et donc, vous pouvez regarder dans le catalogue classique. Et donc, imaginons que vous souhaitiez emprunter un livre qui ne se trouve pas à la BU des Tanner. Par exemple, celui-ci qui se trouve à la BU de Grandmont. Et si vous regardez dans le détail, il n'est qu'à Grandmont. Bien. Dans cette hypothèse-là, je vous conseille d'ouvrir la notice détaillée. Il faut vous rappeler, hein, ça c'est la notice abrégée. Ça c'est la notice détaillée. Afin de pouvoir renseigner la fiche de pré-navette. Le pré-navette, c'est quoi? C'est expliqué ici. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez faire venir un document provenant d'une des bibliothèques universitaires de Tours ou Blois dans la bibliothèque que vous fréquentez. Et donc, vous demandez à faire venir un document à la BU des Tanner. Le délai d'acheminement est de 3 jours ouvrables. Donc, évidemment, vous remettez votre nom, vous remettez votre département. Département d'anglais, vous mettez, vous étudiant, vous mettrez licence d'anglais première année. Pour les étudiants année d'études, c'est marqué. Donc, votre mail de préférence étu Unif Tours et ici auteur, titre, lieu d'édition, année d'édition. Et c'est là que, bien sûr, être sur la notice détaillée va vous gagner un certain temps. Puisque vous allez pouvoir faire du copier-coller. Lieu d'édition, il s'agit Paris Les Belles Lettres, DL 2010. Vous voyez, il suffit comme ça de faire du copier-coller. Du copier-coller en s'adaptant. Vous voyez que l'année d'édition était demandée séparément. Observation, validation de saisie. Visiblement, c'est tout le temps la même. C'est pas mal. Je n'avais pas essayé ça récemment.
mais ça a l'air de marcher. Voilà, donc là, c'est pour un prêt navette. Donc, nous sommes le 29 septembre au matin, au moment où j'enregistre ce sixième tutoriel. Il y a environ 3 jours ouvrables d'attente. Ça veut dire que là, c'est mardi matin. Je peux raisonnablement aller chercher cet ouvrage à l'accueil de la BU des tanneurs vendredi. Bien entendu, dans l'hypothèse où j'aurai un besoin urgent de faire une vérification dans cet ouvrage, où je ne pourrai pas attendre, je peux tout à fait me rendre à la BU de Grandmont et aller l'emprunter. Je l'aurai immédiatement dans cette hypothèse-là. Donc voilà pour ce qui est du pré-navette. On va repasser directement par là, ça sera aussi simple. Je vais fermer une partie des fenêtres parce que je vais finir par m'y laisser avoir. Donc, dossier lecteur, suggestion d'achat, pré-navette. Maintenant, imaginez qu'un ouvrage que vous avez besoin de lire, sur lequel vous avez besoin d'étudier ou de travailler, ne se trouve dans aucune des bibliothèques universitaires de l'université de Tours. Dans ce cas-là, vous pouvez le chercher dans le SUDOC. Alors, le SUDOC, c'est un méta-catalogue. Le SUDOC, système universitaire de documentation, va répertorier la totalité des catalogues de toutes les bibliothèques des établissements d'enseignement supérieur de France, métropolitaine et non métropolitaine. Autrement dit, si un ouvrage ne se trouve pas à la BU de Tours, mais qu'il se trouve dans d'autres bibliothèques universitaires, le SUDOC vous permet de le localiser. Alors, vous allez me dire, localiser un document ailleurs qu'à Tours, ça ne m'intéresse pas tellement, parce que je ne peux pas le faire venir. Si, vous pouvez le faire venir, c'est bien sûr l'intérêt de démonstration. Alors, vous cliquez sur SUDOC et vous faites par exemple une recherche sur un écrivain qui s'appelle René Maran. Bon, ça c'est, il se trouve que ça fait partie de mes recherches actuelles. Vous cliquez dessus et vous vous apercevez que ça rame. Pourquoi est-ce que ça rame ? Parce que je suis sous un logiciel de navigation qui s'appelle Firefox, que j'utilise très souvent, mais qui visiblement est depuis quelques semaines difficilement compatible avec le SUDOC, puisque ici vous vous en apercevez, il y a une difficulté. Je me suis mis sur un autre logiciel de navigation, j'ai basculé sur Chrome, et ça marche très bien du premier coup. Donc voilà, donc il faut le savoir, parfois certains de ces sites ne fonctionnent pas, soit ponctuellement, soit de manière plus définitive, en fonction du logiciel de navigation. C'est pour ça que je vous conseille d'avoir au moins 2 ou 3 logiciels de navigation que vous utilisez régulièrement. Parfois, au lieu de s'énerver pendant des heures sur un site, il suffit de chercher le même site ou de déclencher le même site sur un autre logiciel de navigation. Donc, imaginons que je veuille lire, on va prendre la première réponse, je ne vais pas vous refaire tout un cours sur l'utilisation des catalogues informatisés cette fois-ci avec le SUDOC. Imaginons que vous choisissiez de chercher Asepsie Noire de René Maran. Il se trouve que c'est un ouvrage que j'ai besoin de voir pour moi-même. Donc si vous regardez, voilà, vous avez la notice détaillée, vous avez le nombre de pages, vous avez le format, la date d'impression, etc. etc. Et vous pouvez cliquer sur « Où trouver ce document ». Et si vous regardez où trouver ce document, vous vous rendez compte qu'il est à la BU de médecine de Tours, donc j'ai été un peu idiot, j'aurais pu faire un pré-navette. Bien, donc on va pas utiliser ce document-là, on va utiliser, allez, on va en prendre un autre, en espérant que cette fois-ci ça marche. Là, j'avais pas tout à fait vérifié mes documents, mes requêtes avant de faire le cours, comme quoi ça m'apprendra. Et là, sur ce document-là, on se rend compte que ce document qui date de 1909 ne se trouve que dans une seule bibliothèque française. Je vais agrandir pour être sûr que vous voyez bien. Ne se trouve que dans une seule bibliothèque française, la BU de Bordeaux-Montaigne, donc de l'université de Bordeaux, anciennement nommée Bordeaux 3. Donc, si je décide de voir ce document, si j'ai absolument besoin d'avoir accès à ce document, je peux demander à faire un prêt entre bibliothèques. Ça, c'est très important. Pour ce faire, j'ai besoin de quoi ? J'ai besoin de la notice détaillée et j'ai besoin ensuite, tout simplement, d'envoyer un mail
Alors vous voyez là le sudoku entre temps dans Firefox, il continue gentiment à ramer. Donc c'est super. J'ouvre mes mails et j'écris à l'adresse peblettre. Où est-ce qu'il est? Voilà, peblettre. Alors vous avez peut-être pas bien vu, peblettre tout attaché at uniftour.fr. Alors normalement, ce service est réservé aux enseignants, chercheurs et aux étudiants de master et de doctorat, mais exceptionnellement, un étudiant ou une étudiante de licence peut faire cette demande-là. Attention, normalement, ça coûte 5 € par ouvrage que vous faites venir. Mais vous pouvez tout à fait dire, vous voyez, je souhaiterais emprunter l'ouvrage suivant. Il se trouve à la BU de Bordeaux. Bien à vous. Et là, bien sûr, vous allez faire copier-coller de l'adresse de l'URL du document et vous allez quand même mettre un certain nombre d'éléments à son sujet. Comment est-ce qu'on peut faire? Attendez, je vais revenir en arrière, excusez-moi. Voilà. En récupérant la notice abrégée, bon, j'aurais fait aussi vite de le taper moi-même, c'est pas grave. On refait un copier-coller. Et vous mettez en objet, rappelez-vous le cours que j'avais fait sur les mails, demandez en objet, mettre en objet ou titre du mail une demande la plus précise possible. Et donc là, bien sûr, demande de PEB, je mets mon nom, le nom du lecteur, c'est moi, et le nom de l'auteur de l'ouvrage, René Maran. Ça permet comme ça de retrouver facilement le mail pour les destinataires. Et j'envoie. Voilà, donc ça c'est pour le sudoc. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Alors pour de faire une demande de prêt entre bibliothèques, il y a aussi des formulaires comme pour le prêt navette ou la suggestion d'achat. Mais enfin voilà, je vous ai montré une manière de faire qui fonctionne tout à fait correctement. Alors évidemment, les collègues du prêt entre bibliothèques, du service du prêt entre bibliothèques, les collègues de la bibliothèque universitaire des Tanneurs, vont me réécrire pour me dire éventuellement que ça n'est pas possible, parce qu'il y a certains ouvrages qui sont exclus du prêt entre bibliothèques, ou que c'est possible mais que je ne pourrais pas emprunter l'ouvrage, je serai obligé de le lire sur place, ça arrive assez souvent. Et puis évidemment, ils me rappelleront éventuellement le coût de la manœuvre, généralement 5 € pour faire venir un ouvrage ou pour faire venir une liasse photocopiée d'un article qui a été demandé. Voilà, ça c'est pour le prêt entre bibliothèques. Entamons maintenant la deuxième partie de ce cours consacré à la documentation numérique. Imaginez que ces derniers jours, vous ayez un petit peu suivi ce qui se passe aux États-Unis en politique intérieure, et notamment la mort d'une très importante figure politique, membre de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg, et le fait qu'il y a toute une polémique autour de son remplacement précipité par le président Trump, par une ultra-conservatrice, Amy Coney Barrett. Vous avez ici un article d'opinion du New York Times, dont l'auteur est Lara Baselin. Amy Coney Barrett is no Ruth Bader Ginsburg. Article que je vous invite éventuellement à aller lire. D'ailleurs, vous y apprendrez pas mal de choses. Bien, imaginons que vous ayez envie de faire quelques recherches sur ces deux figures, Amy Coney Barrett et Ruth Bader Ginsburg. Et imaginons donc que vous fassiez une recherche sur le catalogue de la BU. Alors, je suis déconnecté, c'est super. On va recommencer. Ce sont les aléas. Il a suffi que je fasse 2-3 vérifications pour que, voilà, que ça se complique. Donc, je fais une recherche sur Amy Coney Barrett. Et si je cherche dans le catalogue classique, il ne se passera pas grand-chose. Comme vous le voyez, aucun résultat pour Amy Coney Barrett. Alors que si je tape dans Catalogue Plus, qui inclut les réponses de documentation numérique, vous voyez qu'il y a 1266 réponses.
Si je fais cette même recherche pour Ruth Bader Ginsburg, juste pas que je fasse de faute de frappe, j'aurai 18 175 réponses pour Ruth Bader Ginsburg. Par curiosité, dans le catalogue, vous voyez qu'il y a deux ressources qui sont en fait des DVD correspondant à des films, dont un des deux se trouve d'ailleurs en salle, donc empruntable directement à la BU des Tanneurs, et l'autre se trouve à la BU de Blois. Donc ça me permet de rappeler que, bien sûr, pour les gens qui habitent ou qui vont régulièrement à Blois, la BU de Blois est souvent un petit peu sous-fréquentée, et c'est bien dommage, car il y a, comme vous le voyez, des documents qui ne se trouvent pas ailleurs dans les BU de Tours. J'en reviens à mon catalogue de la documentation numérique. 18 175 réponses, c'est beaucoup, comme vous vous en doutez. Le premier conseil que je vous donne, si vous commencez à chercher des informations sur Ruth Bader Ginsburg, c'est d'éliminer toutes les ressources qui ne portent pas la mention texte intégral à droite. En effet, en général, quand il n'y a pas écrit texte intégral, c'est uniquement la référence et il n'y a en fait pas l'article correspondant. Donc ça vous permet déjà de restreindre. Vous pouvez d'ailleurs restreindre sur la colonne de gauche en demandant uniquement les articles avec texte intégral. Et on tombe à 13 139, ce qui reste un petit peu trop long. Vous pouvez décider de restreindre aux journaux, enfin aux revues universitaires, pardon, Academic Journals, c'est un double faux ami, on ne dit pas journaux académiques, on dira revues universitaires. Dans les news, dans les reviews, dans les livres, vous pouvez bien sûr restreindre à la langue anglaise. Voilà, bon, je ne vais pas restreindre plus, mais c'est un peu pour vous montrer comment ça se passe. Par exemple, si vous décidez d'aller lire ce texte, cet article, Ruth Bader Ginsburg, Examining Your Path to the High Court Bench and its Intersection with the ACLU, vous l'ouvrez dans un nouvel onglet. Ça rame un petit peu ce matin, mais bon, peu importe. Et vous avez ici, comme vous le voyez, le fichier PDF correspondant à cet article. Et donc, vous pouvez naviguer dedans de page en page où vous pouvez choisir de télécharger la totalité du PDF dans votre ordinateur. Voilà. Je ne sais pas où c'est allé se mettre. Ça, c'est autre chose. Oui, dans les téléchargements, je suppose. Bien, dans cette optique-là, vous voyez, il me suffit de l'ouvrir et j'ai la totalité de l'article qui s'est téléchargé dans mon ordinateur et qui fait 32 pages. En fait, il fait 31 pages, mais il y a la création d'une page de titre qui donne la date de téléchargement, 29 septembre à 2h50 du matin, heure de la côte est américaine, source content downloaded from an online, et surtout les manières de le citer. Donc là, vous voyez, si je veux éviter le plagiat en citant un extrait de cet article, j'ai déjà tout qui m'est donné ici pour pouvoir le citer correctement en fonction des différentes feuilles de style. Donc voilà une manière d'utiliser la documentation numérique, c'est d'utiliser Catalogue Plus. Alors Catalogue Plus présente évidemment un certain nombre d'avantages, mais ça donne quand même parfois quand même beaucoup de fil à retordre, on va mettre beaucoup de temps à trouver les informations. Le recours à la documentation numérique via Catalogue Plus est parfois un peu ardu et donne lieu à des recherches parfois assez longues pour des résultats assez maigres. Ce que je vous conseille, et ce qui vous est globalement conseillé, c'est d'aller chercher à travers le parcours numérique, c'est-à-dire en cherchant par base de données. Dans la suite de ce cours, je vais donc parler séparément d'un certain nombre de bases de données qui sont particulièrement utiles pour les anglicistes. Mais avant de rentrer dans le détail de ces bases de données individuellement, je vais vous montrer rapidement comment vous pouvez aller dans le fameux parcours numérique. Vous êtes ici sur la page d'accueil du parcours numérique de l'Université de Tours. Et si jamais mes explications ne sont pas assez claires ou s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu ou si vous avez oublié des choses, il y a un petit document, bien sûr, d'aide que vous pouvez consulter. Comme vous le voyez ici, par défaut, ce qui est coché, c'est toutes les disciplines, tous les types et tous les profils.
Je vais un petit peu agrandir pour qu'on voit un peu mieux. Donc vous, il se trouve que vous êtes étudiant en première année de licence de lettres et langues, et donc vous pourriez avoir envie de restreindre, ce qui est certainement une bonne idée, puisque vous voyez ici qu'il y a 284 ressources, ça veut dire 284 bases de données auxquelles l'université est abonnée ou qui sont des ressources libres, qui figurent ici comme une recommandation particulièrement pertinente pour les étudiants. Ça signifie donc ici que 284 ressources, vous allez avoir au milieu de ces ressources, ici vous le voyez, American Association for Cancer Research, ou ici le AIP, American Institute of Physics, autrement dit des périodiques et des bases de données qui ne vont pas être très utiles pour des étudiants en lettres et langues. La première chose à faire donc si vous voulez un petit peu explorer, c'est de restreindre au domaine Arts, Lettres et Langues, et vous voyez déjà qu'on est tombé de presque 300 à 70 ressources, on a donc divisé par 4 le nombre de ressources, et vous pouvez aussi décider de restreindre à étudiants, licence et master. C'est une possibilité, sachant qu'ici vous allez avoir beaucoup de choses qui vont plutôt concerner vos collègues, camarades de sciences du langage ou de lettres modernes, et pas forcément tellement vous qui êtes linguiste. Donc là, il y a peut-être éventuellement une petite, un petit bémol à apporter à cette réduction-là. Bon. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a là un très grand nombre de ressources utiles, dont certaines que je ne vous présenterai pas d'ailleurs dans ce cours. Ça veut donc dire qu'il y a des choses qui sont ici proposées et que je ne présenterai pas, notamment par exemple bien, le dictionnaire Larousse, par exemple aussi dans les choses que je ne présenterai pas, l'ensemble des dictionnaires du site Reverso, ou encore Vocable ou Word Reference, que vous connaissez déjà en général et que je n'ai pas besoin de présenter plus en détail. Donc c'est pour dire que, indépendamment du cours que vous suivez actuellement, indépendamment de ce sixième tutoriel dans lequel je vais présenter une dizaine de bases de données que vous ne connaissez pas encore a priori, rien ne vous interdit, bien sûr, de décumer un petit peu, de faire vos propres recherches à partir du parcours numérique. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas restreindre à étudiants licence et master parce qu'il y a certaines bases de données qui sont plus ou moins préformatées comme étant plutôt intéressantes pour des chercheurs et qui, en fait, peuvent être tout à fait utilisées aussi à votre niveau. Voilà pour ce qui est du parcours numérique et de l'architecture. Bien entendu, si à un moment donné, vous vous réorientez, vous n'êtes plus étudiant de licence d'anglais, que vous vous réorientez vers de l'urbanisme, ou des études d'environnement, à ce moment-là, bien sûr, vous restreindrez à d'autres ressources, ici plutôt en environnement et urbanisme. Et vous verrez d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont des éléments communs, d'autres qui ne le sont pas. Voilà pour ce qui est du parcours numérique. Quatrième partie du cours, comment distinguer les ressources numériques, les bases de données auxquelles vous pouvez accéder? Et vous avez vu dans la partie précédente que le parcours numérique de la bibliothèque universitaire offrait en fait un nombre pléthorique, trop important, de ressources. Donc je veux tout d'abord insister sur le fait que vous devez distinguer entre deux types d'archives. D'une part les archives ouvertes, en anglais on dira Open Access Databases ou Open Access Resources, ici indiqué en vert, et qui en fait sont accessibles depuis n'importe quel ordinateur connecté à Internet sans avoir besoin d'abonnement. J'en mentionnerai un certain nombre qui sont bien entendu intéressantes ou utiles, y compris dans vos études. Et d'autre part, à droite ici, dans l'ovale rouge, les ressources à accès restreint, et j'ai choisi d'expliquer cela en anglais par une périphrase, « Databases that are only available with your library subscription ». C'est donc relativement clair, je pense. Ça veut dire qu'il vous faut vous connecter à l'ENT avec votre identifiant étudiant pour pouvoir accéder à ces bases de données. Ça ne vous coûtera absolument rien. Il faut savoir que certaines de ces bases de données représentent des abonnements de plusieurs milliers d'euros. Ça veut dire que chaque année, l'université de Tours dépense plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ces abonnements-là. Bien entendu, en tant qu'étudiant de l'université de Tours et tant que vous aurez un accès à l'université de Tours, que vous alliez consulter ces bases de données 10 fois par jour ou que vous n'y alliez jamais, vous paierez exactement le même prix.
votre comment dire, vos frais d'inscription à l'université n'augmentent pas en fonction de votre usage. C'est donc comme si c'était gratuit pour vous. Pour ce qui est des bases de données elles-mêmes, j'ai ici listé les principales. Il faut donc bien distinguer entre les archives ouvertes en vert, les ressources à accès restreint en rouge, et parmi les ressources à accès restreint, j'en ai oublié une, et je vais donc commencer par elle, j'en ai oublié une sur le schéma que vous voyez à l'écran. Il s'agit de la base de données Journal Storage, JSTOR, je la présenterai avec les autres dans la dernière partie de ce cours. Autre base de données, Cairn, qui est une base de données francophone, Dawsonera, EBSCO, Oxford Reference Online et Wiley Intersciences, qui sont des bases de données anglophones, et l'Encyclopédia Universalis, base de données francophone que vous connaissez probablement et qui est en accès illimité gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas certains articles qui sont gratuits et d'autres inaccessibles, comme sur le web, avec votre identifiant étudiant. Pour ce qui est des bases en accès libre, Open Access Resources, un certain nombre sont intéressantes, notamment des bases de données en anglais. La plupart de celles qui se trouvent dans le cœur vert ici sont en anglais, à l'exception de HAL, hyperarticle en ligne, que je présenterai aussi. Les autres sont de langue anglophone, DOAJ, Directory of Open Access Journals, et le sigle lui-même indique qu'il s'agit de ressources Open Access, hein, le OA de DOAJ, c'est Open Access. Le site de la Library of Congress, de la librairie du Congrès américain, Open Edition, ou le projet Gutenberg, sur lequel je reviendrai ultérieurement. Dans cette dernière partie, je vais vous présenter un certain nombre de ressources numériques et de bases de données qui ont été présentées de manière succincte dans la partie précédente, dans le diagramme opposant les archives ouvertes en vert aux bases de données avec abonnement en rouge. Et nous allons commencer par les archives ouvertes et par une archive ouverte très importante du domaine francophone. Il s'agit de HAL, hyperarticle en ligne, dont l'adresse est ici marquée halarchiveouverte.fr si vous voulez le retrouver différemment. Alors HAL est un site dans lequel les universitaires, les chercheurs peuvent déposer leurs propres travaux afin de les protéger sous un style de copyright. Et en fait, cela signifie qu'il peut y avoir sur la base de données HAL des articles qui n'ont pas été publiés, c'est-à-dire des articles qui peut-être contiennent un très grand nombre d'erreurs et n'ont pas été en fait acceptés par un comité de publication de revue. Alors bien entendu, il faut toujours faire très attention, même un article qui a été accepté et publié dans une revue scientifique, même renommée, peut contenir des erreurs, il y a régulièrement des scandales et des polémiques à ce sujet. Mais c'est pour dire que tout de même, hyperarticle en ligne présente un risque encore accru de tomber sur des documents pas forcément toujours très fiables et pas forcément toujours citables. Alors cela étant posé, comme vous le voyez, le site indique qu'il contient plus de 2 millions de références et 750 555 documents scientifiques. Si vous faites une recherche sur Ruth Bader Ginsburg, dont il était question préalablement, vous n'aurez aucun résultat pour la simple et bonne raison que c'est un site francophone et que peut-être qu'il n'y a aucune recherche, aucun article publié à ce sujet. Si vous faites une recherche sur le président américain prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama, vous voyez que vous avez aussitôt un nombre nettement plus important de résultats, 108 en l'occurrence, et que vous pouvez, comme souvent, et je ne rentrerai pas dans le détail de toutes les bases de données systématiquement, mais dans toutes ces bases de données, vous aurez à chaque fois des manières de passer en recherche avancée, de restreindre la recherche avec une colonne généralement à gauche, et donc vous pouvez restreindre, par exemple, à chapitre d'ouvrage, et il n'y a plus que 15 résultats. Sur la base de données HAL, que je vous présente ici, vous pouvez, par exemple, décider de lire un chapitre, celui-là, par exemple, Aurélie Blot, campagne virtuelle et élection réelle, quel rôle a joué l'outil Internet dans l'élection présidentielle de Barack Obama? Et c'est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Politique, démocratie et culture aux États-Unis à l'ère du numérique. Vous voyez que vous avez la référence
détaillé, hein, ce qui est écrit ici, citation, c'est la manière de citer le document. Si vous utilisez à un moment donné cet article dans un travail, voilà comment vous devez le citer en note de bas de page ou dans le corps de votre travail. Comment, avant de penser à le citer, peut-on le lire? Eh bien, vous avez un certain nombre de possibilités. Vous pouvez le lire dans la première version ou en tant que chapitre d'ouvrage. Visiblement ici, on ne peut pas récupérer le chapitre d'ouvrage à proprement parler. Je vais donc cliquer sur le version 1 qui n'a pas l'air de donner grand-chose non plus. C'est bizarre. J'ai évidemment choisi la mauvaise référence. Là, visiblement, il y a un problème. Bon, on va en prendre un autre. Donc, c'est du direct. Donc, ce sont les aléas du direct. Alors, on va prendre plutôt celui-là. The US Privacy Strategy, par exemple. Et on va... Ah oui, non, pardon, excusez-moi. Je me suis trompé, ça a changé il y a quelques temps et j'ai encore des vieux réflexes. Alors, on va le montrer encore avec un autre. Vous avez effectivement l'existence d'une version 1 et d'un chapitre d'ouvrage. Et la manière de le récupérer, c'est ici. Pardon, excusez-moi. C'était lequel que j'avais pris. Je ne sais plus où il est, du coup. Je ne le retrouve pas. Voilà, The US Privacy Strategy. Voilà, c'est ici. Voilà, je vais y arriver. Donc, c'est en cliquant, en fait, à droite dans la rubrique fichier. Je vous prie de m'excuser. Et là, vous avez un document qui est autogénéré, enfin, une page de garde qui est autogénérée par HAL. Et ensuite, l'article tel qu'il a été publié. Et vous voyez, avec des jeux de mots très drôles, from yes we can to yes we scan. Bon. Bref, humour universitaire. Pas de commentaires. Voilà, et donc vous pouvez effectivement ensuite enregistrer ce document sur votre ordinateur au format PDF. Et n'oubliez pas, bien sûr, qu'il ne suffit pas de télécharger plein de documents sur son ordinateur pour avoir travaillé. Ce qu'il faut, c'est bien sûr les lire, ou au moins les parcourir, et éventuellement s'en servir pour un travail personnel. Donc ça, c'est HAL, qui est une base de données présentée dans le diagramme précédent et que je me devais de vous montrer. Autre base de données, Open Edition, base de données archives ouvertes. Donc là encore, vous n'êtes pas obligé de vous connecter avec votre compte de l'Université de Tours. Mais voilà, vous pouvez le faire, donc pourquoi pas. Et ici, bien sûr, vous êtes sur la page d'accueil sur laquelle sont mises en avant un certain nombre de publications, d'ouvrages, de thèmes, de genre, vous voyez ici, littérature anglophone. Par exemple, si vous décidez de regarder ici un de ces ouvrages, publié aux presses universitaires de Caen, écrivaine irlandaise, Irish Women Writer, vous pouvez accéder au sommaire et vous pouvez, bien sûr, ensuite accéder aux différents articles. Et donc ici, vous avez l'article en intégralité, avec son résumé en français, son résumé en anglais. Donc ça, ça peut être des bons moyens aussi de former votre expression écrite, vous habituer à lire en français et en anglais la manière dont des professeurs, des universitaires écrivent en anglais. Donc là, l'introduction, etc., etc. Et donc, l'article se présente sous un format HTML avec annotation, mais vous pouvez, bien entendu, vous faire un document plus propre si vous voulez le sauvegarder sur votre ordinateur ou alors également récupérer le PDF du livre en cliquant sur PDF du livre ou le PDF du chapitre en cliquant sur PDF du chapitre. Ce que je n'arrive pas à faire visiblement. Bon. En tout cas, voilà, vous avez le texte complet ici disponible. Voilà, ça a mis un certain temps à réagir. Donc voilà, si je l'enregistre, voilà, je vais l'enregistrer, ça va aller dans mes dossiers. Bon, je vous conseille bien sûr de ne pas faire exactement ce que je suis en train de faire là, c'est-à-dire d'enregistrer ça dans des dossiers quand même bien classés, bien répertoriés. Donc ça, c'est Open Edition Books. Vous pouvez aller chercher par le catalogue, par les éditeurs, par les auteurs, etc., etc. Et puis, vous pouvez bien sûr faire une recherche dans la barre de recherche Open Edition Search
dans laquelle, par exemple, vous pouvez décider de refaire, car on est obstiné, une recherche sur Ruth Bader Ginsburg. Et ici, nous voyons qu'il y a 2085 réponses. La mort de Ruth Bader Ginsburg changera-t-elle la face de l'Amérique? La juge qui a mis les femmes à l'agenda, no bad women, just bad laws, etc. Donc vous allez avoir un certain nombre de réponses qui ne seront pas forcément toujours tout à fait pertinentes. Ce que je vois, visiblement, il y a des choses très aléatoires. Donc je pense qu'il vaut mieux ici aller chercher des choses un peu plus détaillées. Enfin bon, voilà. C'est pour vous donner une idée aussi d'un autre mode de recherche dans Open Edition. Là, le mode de recherche relativement classique, vous voyez, sur Ruth Bader Ginsburg, on a vite glissé vers des choses qui n'étaient pas en fait pertinentes. Si on fait la recherche sur Barack Obama, on va avoir 429 réponses et qui, elles, évidemment, seront beaucoup plus crédibles. Et là, pareil, on peut cliquer « Études de stylistique anglaise ». « De quoi Barack Obama est-il le nom en 2012 ?» Un article de Luc Benoît à la Guillaume. Et là, vous avez la possibilité de lire directement en ligne ou de télécharger le PDF de l'article, là encore, sur votre ordinateur. Et visiblement, Open Edition est un petit peu lent ce matin, mais bon, c'est pas grave. Voilà, bon, cet article-ci est en français. Bien, autre base de données, donc, après HAL Open Edition. Autre base de données de l'ordre des archives ouvertes, c'est-à-dire auxquelles vous pouvez vous connecter depuis n'importe quel ordinateur, Directory of Open Access Journals. Et là, comme il s'agit d'une base anglophone, si vous faites une recherche Ruth Bader Ginsburg dans DOAJ, vous allez avoir une réponse, mais qui sera assez intéressante, je sais parce que je connais cet article, « The Fandomization of Political Figures », qui est un article tiré de « Transformative Works and Cultures ». C'est un article dont vous trouverez ici le résumé, « Abstract », bon évidemment l'auteur ici, mais aussi bien sûr le texte intégral qui vous envoie en fait directement sur le site de la revue universitaire « Transformative Works ». Et donc ici, vous avez la totalité de l'article avec les notes et la bibliographie. Donc ça, c'est le site « Directory of Open Access Journals », dans lequel, bien sûr, j'ai fait une recherche immédiate, rapide, mais sur laquelle vous pouvez bien entendu feuilleter en fonction de vos intérêts. Et si par exemple vous voulez faire les recherches en langue et littérature, vous pouvez vous restreindre aux revues de langue et littérature. Ça, c'est Directory of Open Access Journals. J'en viens à deux autres bases de données gratuites là aussi. La base de données de la librairie du Congrès, la Library of Congress, dans laquelle, puisqu'il s'agit de la plus grande base de données américaine, c'est l'équivalent de la BNF pour la France, la Bibliothèque Nationale de France, mais avec un site web et des archives numériques beaucoup plus riches et surtout beaucoup plus pratiques à utiliser. Si vous faites une recherche sur Ruth Bader Ginsburg, vous voyez qu'il y a 476 résultats et vous aurez tout type de documents. Vous aurez des documents images, des documents textuels, par exemple ici un élément biographique, et si vous cliquez dessus, eh bien, vous vous doutez bien que si vous citez la notice biographique de cette figure politique américaine en citant la librairie du Congrès, ça sera un petit peu plus accepté et surtout un petit peu plus impressionnant pour mes collègues en civilisation américaine que si vous vous contentez de citer la Wikipédia, ce qui ne marque jamais des points. Donc ici, par exemple, vous voyez, un extrait d'un livre, « No Truth Without Truth, The Life of Ruth Bader Ginsburg ». Et là, en fait, vous avez simplement une notice de livre. Comme la librairie du Congrès est une bibliothèque physique, il faudrait, là, évidemment, commander le livre et le consulter sur place. Donc, bien sûr, là, vous arrivez sur une limite de ce site, mais vous avez aussi des photos, des archives,
et aussi des vidéos qui sont directement archivées par la librairie du Congrès. Et donc des vidéos sur lesquelles vous pouvez, bien sûr, effectuer toutes les opérations habituelles. Si vous voulez sauter les premières minutes qui sont généralement du blabla, vous pouvez le faire. Évidemment, ça rame un petit peu, j'aurais peut-être dû attendre. Je ne sais pas ce qui se passe, on ne voit plus rien. Il n'a pas aimé. J'ai tendance à être un peu impatient, visiblement. Bon, peu importe. Voilà, donc ça c'est un document vidéo et vous voyez même que vous pouvez télécharger directement le document vidéo, ce qui n'est pas le cas sur la plupart des plateformes d'hébergement de vidéos. Donc ça, c'est pour le site de la librairie du Congrès. Et j'en termine avec les archives ouvertes pour vous présenter le projet Gutenberg. Et le projet Gutenberg, c'est particulier, c'est un site extrêmement riche qui présente des textes intégraux, c'est-à-dire des œuvres principalement littéraire, mais pas seulement, en texte intégral, et donc vous n'y trouverez que des œuvres tombées dans le domaine public. Ça veut dire que toute œuvre d'un écrivain vivant ou d'un écrivain mort depuis moins de 50 ans ne se trouvera pas dans le projet Gutenberg. Mais si vous voulez, et je vais prendre un exemple très simple, si vous voulez lire toute l'œuvre de Charles Dickens sans payer un centime, eh bien vous pouvez le faire grâce au projet Gutenberg. Et je vous signale notamment que dans le cadre de votre première année à l'université, vous êtes censé lire A Tale of Two Cities de Charles Dickens. Ça fait partie de la bibliographie obligatoire de L1. Et bien, vous voyez que sur le projet Gutenberg, vous pouvez le télécharger soit en EPUB, soit en Kindle en fonction de la liseuse ou du logiciel de lecture en ligne que vous utilisez. Soit si vous ne possédez pas de liseuse, ce qui arrive à des gens très bien, ce qui est mon cas notamment, vous pouvez le récupérer tout simplement en HTML avec des illustrations d'origine. Et vous pouvez, là encore, vous le télécharger sur un support de lecture un petit peu plus confortable qu'un simple ordinateur. C'est à vous de voir, bien entendu. Ça, c'est le site du projet Gutenberg, gutenberg.org. Ok ? Donc ça, c'est très important, gutenberg.org, ils sont en train de changer d'adresse et sont en train de changer un certain nombre de choses, mais vous pouvez bien entendu utiliser un certain nombre de modes de recherche, quick search, advanced search, full text search, bien sûr, si vous cherchez un mot en particulier. Vous pouvez consulter les derniers ouvrages parus et vous vous rendrez compte qu'il y a aussi des ouvrages en portugais, en français, en finnois. Donc pas seulement des ouvrages en anglais dans cette base de données. Vous pouvez chercher aussi par langue. Et donc si par exemple vous lisez l'italien et vous êtes extrêmement frustré d'en faire très peu cette année, eh bien vous avez là la totalité des textes littéraires antérieurs au milieu du XXe siècle qui sont disponibles en texte intégral sur le projet Gutenberg, voilà pour ce qui relève des archives ouvertes. Voyons à présent un certain nombre de bases de données avec abonnement, celles qui figuraient dans les cercles et le cœur en rouge dans la quatrième partie de ce cours. Et je vous ai dit que j'avais oublié de mentionner la base de ressources en ligne JSTOR, Journal Storage, la base de données, pardon, JSTOR, Journal Storage. Il se trouve que dans le graphique que je vous ai présenté en quatrième partie figure une base de données Dawsonera qui est très bien, mais à laquelle la BU n'est plus abonnée et donc je ne vais pas vous la présenter. Donc, nous allons commencer par les deux bases de données à accès restreint francophone. Tout d'abord, Cairn, qui est une base de données répertoriant des revues, des ouvrages, ainsi qu'un certain nombre de petits utilitaires, notamment les Que sais-je et la collection Repères. Alors, il s'agit d'une base de données francophone. Si nous poursuivons toujours avec notre exemple, j'ai fait une faute de frappe, donc ça risque pas de marcher en plus, de Ruth Bader Ginsburg, Cairn va donner 46 résultats qui vont être des résultats relativement peu ciblés sur la figure politique de Ruth Bader Ginsburg, mais qui sont des articles ou des chapitres de livres dans lesquels Ruth Bader Ginsburg est mentionnée, et parfois vraiment en passant, comme vous le voyez ici.
Donc, dans ces cas-là, il faut évidemment aller vers la recherche avancée. Ok, je ne le montre pas parce que je m'en tiens à des choses relativement simples dans ces premiers tutoriels. Mais si vous voulez aller tester par vous-même la recherche avancée, bien sûr, je ne vous l'interdis pas. Si vous cherchez sur un sujet plus vaste et peut-être un petit peu mieux documenté, encore faut-il que j'arrête de faire des fautes de frappe. Sur la biodiversité, vous voyez que vous avez 4954 résultats d'articles ou de livres. Et donc, effectivement, ici, vous voyez la biodiversité en question, un ouvrage de 2014, 272 pages. Vous avez les détails, bien sûr, des noms d'auteurs, etc., etc., le sommaire de l'ouvrage, la présentation. Et bien sûr, vous voyez que pour ce qui est des différents chapitres de l'ouvrage, vous pouvez les consulter en format HTML. C'est la totalité de l'article avec ses notes. Ou vous pouvez aussi, bien sûr, le télécharger, comme on l'a vu précédemment, et ça génère un fichier PDF qui, comme nous l'avons déjà vu avec d'autres bases de données, mais ce sera systématique, commence par une première page d'archivage et de citation qui vous donne la marche à suivre pour bien citer cet ouvrage. Introduction, diversité théorique et empirique de la notion de biodiversité, in Elena Caseta et al. La biodiversité en question, matériologique 2014, pages 13 à 28. Et vous avez bien entendu le devoir de citer aussi l'adresse web à laquelle vous avez récupéré et lu cet article. Et ensuite, vous avez vraiment l'article comme si vous aviez le livre ou le numéro de revue entre les mains. Ça, c'est pour Cairn, qui est une base de données principalement francophone, ainsi que je vous l'ai indiqué. Autre base de données francophone et que vous connaissez, mais qui n'est accessible qu'avec abonnement, l'Encyclopédie Universalis. Alors, sachant que l'Encyclopédie Universalis, si vous cherchez à partir d'un moteur de recherche comme Google, vous aurez un certain nombre de pages qui seront accessibles, mais les articles ne seront que partiels, ou alors vous aurez un article en texte intégral, mais seulement sur une partie de l'encyclopédie. Si je poursuis vaillamment ma recherche sur Ruth Bader Ginsburg dans l'Universalis, on constate qu'on me propose d'autres noms, mais pas celui de Ruth Bader Ginsburg. Donc ça veut dire que, bien sûr, sur un sujet comme celui-là, de politique américaine, il vaut mieux aller chercher sur des bases de données en anglais, et notamment américaine, plutôt que des bases de données françaises. On ne va pas se décourager pour si peu. Si sur l'Universalis, vous voulez chercher des informations en français pour tel ou tel travail, vous pouvez bien entendu chercher sur la biodiversité. Par exemple, tiens, il y a un article biodiversité urbaine que vous pouvez tout à fait ici lire la suite, et vous savez qu'il contient 2368 mots ainsi que des cartes mentales, ce qui est un des points forts d'ailleurs de l'Universalis pour les personnes qui ont des facilités à apprendre ou plus de facilités à apprendre avec des cartes mentales. Voilà, donc là vous avez accès à l'Universalis en texte intégral avec, comme toujours, en bas de page ici, comment citer l'article. Vous voyez que si vous voulez, si à un moment donné dans un travail, demain, après-demain, ou dans 6 mois, ou dans 2 ans, je veux citer un extrait de cet article, j'ai ici directement la possibilité de le copier-coller et de l'utiliser de manière précise. Et vous noterez que comme il s'agit d'une ressource en ligne, eh bien c'est prévu dans le module de citation en ligne, ainsi que la date de consultation, le 29 septembre 2020, ce qui est très important parce que certains sites, effectivement, sont évolutifs. Et donc, selon que vous consultiez en juillet 2019 ou en février 2021, l'article ne sera pas du tout identique. Donc, il est toujours important de noter la date de consultation. Donc, ça, c'est l'Universalis. J'en viens à JSTOR, Journal Storage, qui pourrait devenir pour vous un accès majoritaire ou une des bases de données que vous utiliserez le plus. Et imaginons que vous ayez travaillé sur un poème de Langston Hughes dans le cadre de vos études ce semestre. Poète africain-américain, très important, eh bien vous voyez que Langston Hughes, même si vous n'en aviez peut-être jamais entendu parler, JSTOR envoie en quelque sorte ou
répond, donne un total de 13 166 articles citant Langston Hughes ou dont le sujet principal est Langston Hughes. Et là encore, vous pouvez, avec la colonne de gauche, réduire les recherches, par exemple, à des chapitres d'ouvrages. Nous n'avons plus que 89 réponses. Et par exemple, si on choisit d'aller regarder ce chapitre-là, « Singing the Harlem Renaissance, Langston Hughes Translation and Diasporic Blues », eh bien, nous avons la possibilité de lire l'article dans son intégralité. Et nous avons bien sûr la possibilité de télécharger cet article en intégralité sous format PDF. Donc là, il y a des petites choses un peu pénibles. Il ne l'a pas récupéré. On va recommencer. Voilà, là on va y arriver. Donc, comme d'habitude, première page ajoutée automatiquement par la base de données avec les données de citation pour pouvoir citer correctement le livre. Le titre du chapitre, le titre du livre, le nom de l'auteur et l'éditeur. Il n'y a pas la date, ce qui n'est pas terrible. D'ailleurs, si vous regardez en bas de page, il s'ajoute un pied de page systématique prouvant bien que ça a été téléchargé par un usager en particulier, en l'occurrence moi, Guillaume Saint-Gall, avec l'URL de l'ordinateur qui a été utilisé et la date. Ça veut donc dire que je ne peux pas commencer à photocopier ça et à le distribuer dans tous les sens, y compris pour mes cours, c'est illégal. Je dois en faire un usage strictement individuel. Et cela vaut pour évidemment la totalité de ce que je vous ai montré jusqu'à présent. Ce n'est pas parce que vous avez téléchargé ça de manière légale sur un site que vous avez le droit ensuite de le reproduire ou de le distribuer, fût-ce gratuitement. Donc là, si vous voulez le garder sur votre ordinateur, on fait cette manipulation là et tout va bien. Donc ça c'est JSTOR, Journal Storage. Autre base de données à accès restreint, Wiley Online Library, aussi connue sous le nom de Wiley Intersciences. Et donc là toujours pareil, vous voyez bien que vous avez un accès spécifique qui est lié à l'université de Tours. Et si on cherche à trouver des documents sur Ruth Bader Ginsburg dans Wiley Online Library, on peut faire une quick search comme je vous le montre à chaque fois, sans aller jusqu'à la recherche avancée Advanced Search. Et on voit que les données détaillées par type de publication sont déjà apparues, mais que les résultats mettent un certain temps à s'afficher. Un petit retard à l'allumage ici. On peut essayer d'être patient ou pas. Je vous ai déjà dit que ça m'était extrêmement difficile, ça n'est pas mon tempérament, voilà, un peu de patience. Et donc ici, vous voyez que vous avez 452 articles ou chapitres de livres au sujet de Ruth Bader Ginsburg ou dont Ruth Bader Ginsburg est elle-même l'autrice, ou était elle-même l'autrice. Et donc, vous avez un certain nombre d'éléments dont certains sont très récents. Vous voyez un lié au fait qu'elle est morte récemment, hein. Ruth Bader Ginsburg, elle est morte il y a moins de 10 jours à l'heure où j'enregistre ce tutoriel. Et donc là, par exemple, voilà, vous avez le lien vers un journal qui s'appelle Mental Health Weekly, par exemple. Et donc, vous avez un certain nombre de ressources. Et si vous voulez effectivement regarder cet article-là, vous y accédez en accès intégral. Vous voyez bien ici, Full Access. Vous avez l'abstract, vous avez le texte et vous avez la possibilité de le conserver comme un PDF ainsi que la stable URL, l'URL permanente. Les références de publication sont également présentes ici. Vous pouvez même accéder au PDF du journal ou de la revue telle qu'elle se présente. Ça, c'est donc Wiley Online Library. Autre base de données principalement anglophone, EBSCO. Alors vous avez le nom qui apparaît ici dans le titre, sinon c'est vrai que c'est pas très très évident, on a l'impression presque même que c'est un site de l'université de Tours. C'est donc la e-book collection de EBSCOhost qui se présente d'emblée avec des opérateurs booléens ou des éléments de recherche avancée. Mais si vous voulez faire une recherche simple, vous pouvez bien sûr le faire et donc
On va continuer avec notre recherche sur Ruth Bader Ginsburg. Et là, vous remarquez quelque chose sur EBSCOhost, qui est que sur cette recherche-là, hein, c'était le cas dans les autres bases de données, sauf qu'elle n'était pas très réactive sur cette recherche-là, mais sur cette recherche-là, Ruth Bader Ginsburg, avant même que j'ai fini de taper la totalité du nom, il me propose, dans le module de recherche simple, un certain nombre d'éléments. Et donc, par exemple, si vous cherchez à faire une recherche spécifique sur Ruth Bader Ginsburg and Women's Rights, eh bien, oups, aucun résultat trouvé. Donc, on se demande bien pourquoi ils me l'ont proposé. Bon, ça, c'est un peu curieux. On va donc s'en tenir à la recherche initialement prévue Ruth Bader Ginsburg, qui ne donne aucune réponse, ce qui est un peu curieux. J'ai dû faire une erreur au niveau des choix de base de données. Bon, on va... Dérestreindre. Qu'est-ce qu'il y a à faire ? Préinitialiser. Rechercher. Bon, là, visiblement, il se passe un petit peu n'importe quoi. Alors, ça arrive que ça fasse un blocage. Je vais vérifier ça. Par exemple. Et alors ça, c'est un peu curieux. J'ai comme une panique. Cibler vos résultats. Je vais faire ça. Rechercher. Il y a peut-être une petite panne sur EBSCO aujourd'hui. Non, il n'y a vraiment rien qui fonctionne. Ou alors, il faut que je fasse ça. Ah, voilà, ça marche. Bien, alors je vais laisser par honnêteté la totalité de mes opérations peu fructueuses. Ce qui s'est passé, c'est qu'il fallait choisir les bases de données. J'avoue que EBSCO n'est pas la base de données que j'utilise le plus souvent. Et il y a quelques mois, quand je l'ai utilisé la dernière fois, il ne fallait pas faire ce système-là. Donc je vous remontre à vous cliquer sur choisir les bases de données, sélectionner, désélectionner tout. Je vous conseille de tout sélectionner, comme ça ensuite vous trierez. S'il y a trop de réponses, évidemment, vous pouvez enlever les bases de données. Donc ici, évidemment, vous aviez du coup une série de réponses. Ce qui quand même me rassure un petit peu. Donc si je reprends ma recherche de départ, Ruth Bader Ginsburg Women's Rights, maintenant que j'ai bien sélectionné toutes les bases de données, voilà, ça marche beaucoup mieux. Ruth Bader Ginsburg recalled as trailblazing advocate for women. Donc là, vous avez la référence de l'article. Vous avez ensuite l'article lui-même et vous pouvez choisir d'écouter cette. Ruth Bader Ginsburg recalled as trailblazing advocate for women. Text integral. Bloomberg. Tributes flooded in after the death Friday of Ruth Bader Ginsburg, the 87-year-old Supreme Court Justice, liberal icon and pop culture phenomenon, after a long battle with cancer. Alors, une remarque, bien sûr, il s'agit d'un logiciel automatique de reconnaissance de voix, ça veut donc dire qu'il ne s'agit pas d'un véritable être humain qui lit ce texte, mais d'un logiciel malgré tout assez utile pour des étudiants dont l'accent n'est pas toujours parfait, je pense que vous me l'accorderez, et qui veulent vérifier la prononciation des mots et des différents mots d'un texte sans forcément vérifier pour chaque mot dans un dictionnaire ou dans un dictionnaire de prononciation. Vous pouvez choisir un accent britannique. Et là, on ne sait pas ce qui se passe. Peut-être qu'on ne peut pas choisir un accent britannique, qu'il refuse désespérément de nous le dire. Voilà. Comme vous l'avez vu, il y a quand même quelques bugs sur EBSCO. Il faut un petit peu savoir se dépatouiller et pas hésiter à aller chercher, relancer, etc. Mais enfin, c'est une base de données extrêmement utile, comme vous le voyez, notamment avec cette fonction de lecture. Voilà, donc ça, c'est un article extrêmement récent puisqu'il fait suite à la mort de Ruth Bader Ginsburg. Donc ça, c'est EBSCO, et bien entendu, vous pouvez télécharger le texte intégral de cet article en HTML, le
télécharger, récupérer les références, etc., etc. Ça, c'était donc EBSCO. Il me reste à vous présenter Oxford Reference et Europress. Europress qui, je crois, n'était pas mentionné sur mon diagramme de départ et je présente toutes mes excuses pour cela. Je vous présente ces dernières bases de données. Oxford Reference va répertorier, et là encore c'est accès restreint, hein, un très grand nombre de livres et de chapitres de livres des prestigieuses éditions universitaires Oxford University Press. Ce qui veut dire, par exemple, que si vous n'êtes plus sûr de bien comprendre un terme technique, tel que le ZEUGM, par exemple, un terme procédé littéraire, mais je pourrais vous montrer ça pour des éléments d'histoire, des éléments de civilisation, de linguistique, etc. Vous pouvez le chercher dans les réponses rapides et accéder à un très grand nombre de ressources. Vous voyez ici le Garner's Modern English Usage, The Concise Oxford Dictionary of Linguistics, etc., etc. Une remarque très importante sur Oxford Reference. Vous voyez sur la page de gauche la traditionnelle restriction de recherche, Narrow Your Choices. Mais vous voyez aussi ici Availability, Unlocked, Free, Restricted. Et je vous conseille de cliquer sur Unlocked et Free parce que même avec l'abonnement de l'université, il y a des ressources, celles qui sont ici marquées d'un petit cadenas rouge auxquelles vous n'aurez pas accès. Et je vous prie de m'excuser pour cette toux intempestive. Et donc voilà, là vous n'aurez plus que les ressources auxquelles vous pouvez prétendre, et vous voyez, certaines sont plus longues que d'autres. La longueur de l'article par nombre de mots est parfois un bon indicateur. Si vraiment vous avez besoin de comprendre de quoi il s'agit, je vous conseille d'aller plutôt chercher dans The Oxford Dictionary of Literary Terms, 141 mots, plutôt que dans un article qui ne fera que 37 mots. Et donc, si on regarde comment se présente un extrait de la base de données Oxford Reference, vous voyez qu'ici, vous avez affiché de manière très claire le titre de l'ouvrage d'où est tiré l'article, l'auteur de l'article, l'éditeur et la date de publication. Et donc ici, « A figure of speech by which one word refers to two others in the same sentence, literally a yoking, zeugma may be achieved by a verb or preposition with two objects, as in the final line of Shakespeare's sonnet 128, give them thy fingers, me thy lips to kiss. Voilà, et donc vous avez ici un certain nombre d'exemples qui sont donnés et de développement. Je passe afin de ne pas rallonger inutilement le tutoriel. Mais voilà, ça c'est Oxford Reference et vous pourrez bien entendu de la même manière rechercher des éléments qui correspondront beaucoup plus à votre programme de civilisation. Si, par exemple, vous cherchez des choses sur la reine Victoria, alors si on tape juste Victoria, on risque d'avoir des réponses un petit peu diversifiées, voire évidemment qui ne relèveront pas de la reine elle-même. Évidemment, on a les différentes villes qui s'appellent Victoria, notamment la Victoria canadienne. Donc, ce n'était pas une très bonne idée. On va taper Queen Victoria, je crois que ça sera mieux. Mais ça vous montre aussi, là en l'occurrence, j'ai pas fait exprès du tout, je me suis vraiment trompé, j'ai fait trop vite, mais ça vous montre évidemment comment il faut évidemment réagir face à des résultats qui ne sont pas pertinents. Et donc ici, Victoria, Queen Victoria, et vous, si vous regardez, ça c'est très important sur Oxford Reference, toujours regarder la taille de l'article, vous voyez que ça peut faire 100 mots seulement, comme ça peut faire 2564 mots. Et donc ça peut être intéressant d'aller voir ça dans l'Oxford Encyclopedia of British Literature, de voir un petit peu ce qui vous est ici donné. Et par exemple, ici, si vous avez un travail à faire dans lequel vous avez besoin de citer quelques repères biographiques ou critiques et historiques relatifs à la reine Victoria, eh bien il vaut mieux citer, je vous le dis une fois de plus, la Oxford Encyclopedia of British Literature, plutôt que de citer la Wikipédia ou que de ne rien citer du tout. Voilà pour Oxford Reference. J'en termine avec une base de données que je n'ai pas présentée dans la quatrième partie du cours,
dans l'organigramme général des ressources les plus utiles pour les anglicistes, mais c'est un oubli. Europress est vraiment comme JSTOR, autre ressource oubliée dans l'organigramme, est une ressource extrêmement précieuse qui vous permet d'accéder à la presse de très nombreux pays et dans de très nombreuses langues. Et je parle notamment à celles et ceux qui éventuellement continuent d'étudier une troisième langue en plus du français et de l'anglais. Eh bien, vous allez trouver énormément de ressources si, et nous allons faire une recherche que nous connaissons bien désormais, Ruth Bader Ginsburg. Si nous faisons cette recherche-là, ah, le bon vieux gag de la déconnexion. Ah, le mot de passe est incorrect. Là, il va y avoir un petit problème. Donc, on va faire autrement. Voilà, voilà. Alors, une manière de rechercher. Alors, ça, ça me permet bien de vous montrer ça. Je vous avais montré, évidemment, comment retrouver ces différentes bases de données, qu'elles soient en accès libre, archive ouverte, ou qu'elles soient en accès restreint. Je vous avais montré comment faire en passant par le parcours numérique. Une fois que vous avez l'habitude d'utiliser une base de données, ou si vous voulez chercher dans une seule base de données, vous pouvez bien sûr accéder à la base de données par la recherche rapide du catalogue. Et donc cette fois-ci, on va peut-être y arriver. Donc vous voyez que par défaut, vous avez un élément de recherche, ou une fenêtre de recherche rapide qui par défaut vous propose d'aller chercher dans tout le contenu et depuis 30 jours. Mais la recherche avancée vous permet entre autres, mais là encore il faut que vous me fassiez des demandes spécifiques, je le dis pour celles et ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de ce tutoriel, si la présentation de EBSCO, de Europress, de JSTOR, de toute autre base de données est allée trop vite et que vous voulez que je vous fasse un tutoriel spécifique sur telle ou telle base de données, il suffit de demander, je le ferai. Il suffit de demander, mais il faut demander. Si personne ne me demande rien, je ferai rien. Donc n'hésitez pas à aller sur la recherche avancée pour restreindre à une date beaucoup plus lointaine, depuis 2 ans, ou au contraire plus proche, depuis 7 jours. Par exemple, vous pouvez aussi restreindre à un journal. Vous savez que vous cherchez un article qui est dans le Washington Post, qui est dans Le Monde, qui est dans le Guardian. Vous pouvez restreindre uniquement au Guardian. Donc je ne vous montre pas ça maintenant, mais je vous dis que ça existe dans la recherche avancée. Et donc ici, dans Europress, qui en dépit de son nom ne répertorie pas que de la presse européenne, mais aussi des journaux ou des articles de presse d'autres continents, notamment africains, mais aussi sud-américains et nord-américains, eh bien vous avez votre réponse. Au cours des 30 derniers jours, Europress est allé chercher 53 000 articles publié mentionnant à un moment donné le nom de Ruth Bader Ginsburg. Et donc, ça commence par les ressources en français. Par exemple, si vous regardez cet article du Monde, je vais vous montrer comment on fait, je ne sais pas si vous avez envie de regarder ça. Si vous regardez cet article du Monde... Donc là, on a énormément de recherches en français. Donc si on veut se limiter à Europe hors France, déjà, on risque d'avoir un petit peu plus de résultats en anglais. Sinon, il faut aller faire, évidemment, une recherche avancée. Mais là, je vous ai montré un petit aperçu. Par exemple, voilà, là, vous avez cet article du London Evening Standard. Trump's pick to succeed Ruth Bader Ginsburg, qui date du 23 septembre dernier, qui fait 507 mots. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Sachant que cet article-là, ben, tiens, je vais vous montrer ça, parmi les différentes fonctions, si vous voulez archiver cet article, vous pouvez l'épingler. Voilà, il est épinglé, il sera facile à retrouver ensuite dans votre dossier. Vous pouvez l'envoyer par mail. Et je vous garantis que ça marche très bien. C'est une manière... J'utilise jamais les épingles. Moi, je préfère utiliser les mails. Et donc, ça vous permet d'envoyer la référence. Et donc, dans vos mails, vous avez l'article en intégralité qui vous est envoyé au format texte. Mais vous pouvez aussi choisir, bien sûr, de l'imprimer ou de l'exporter, par exemple, au format PDF.
Je vous montre à quoi ça ressemble. Vous avez une page de garde, document sauvegardé, téléchargé le mardi 29 septembre à 10h38. Et donc, vous avez ici l'article. Alors, le petit problème de Europress, c'est qu'une fois que vous avez fait une recherche sur des mots-clés, il va systématiquement, et dans tous les documents, y compris les PDF, surligner les mots-clés. Et c'est très difficile de décocher cette option. Donc, je vous signale que c'est possible si vraiment ça vous empêche de dormir. Mais sinon, voilà, il faut savoir qu'il y a cette petite particularité. Alors, je vous avais montré un article en anglais. Je vous reviens sur l'article français tiré du Monde. C'était pas exactement ça d'ailleurs que je voulais faire, donc on va procéder autrement. On va revenir sur les recherches non restreintes concernant Ruth Bader Ginsburg. Tiens, on va faire une recherche avancée quand même, en dépit de ce que je vous ai dit, puisque j'aurais voulu vous montrer comment on peut lire Le Monde en format papier, plus exactement en format archivé papier. Donc vous pouvez bien sûr faire texte ici, hein, Ruth Bader Ginsburg, et vous pouvez limiter à un certain nombre de titres de presse, hein, si vous voulez. Et donc, si on s'en tient à France, vous pouvez restreindre au journal Le Monde. Alors il ne faut pas se tromper, c'est pas Le Monde diplomatique, Le Monde citoyen. Vous allez restreindre au... Qu'est-ce qui se passe ici? On va pas faire comme ça, tout le contenu, et on va restreindre à un nom de source. Voilà, on va faire comme ça, ça sera aussi simple. Je passe jamais par la restriction de zone géographique, et c'est pour ça que je me suis trouvé un petit peu coincé. Donc vous cliquez sur Le Monde, et donc là, Europress va sélectionner uniquement les articles dans lesquels il y a le mot-clé Ruth Bader Ginsburg ou la suite de mot-clé Ruth Bader Ginsburg publié dans le journal Le Monde, même pas dans le site web, dans le journal Le Monde, au cours des 30 derniers jours. Et vous voyez qu'il y en a pas moins de 16. Et donc, si vous allez par exemple sur cet article-là, c'est ça que je voulais vous montrer, ça ne marchait pas avec mon autre exemple. Cet article ici, RBJ, une juriste féministe devenue une icône de la gauche anti-Trump, vous pouvez procéder comme je vous l'ai montré précédemment, épingler, envoyer le texte au format texte par mail, copier le lien bien sûr, l'exporter en PDF, mais vous pouvez aussi, en cliquant sur l'image qui se trouve à droite, faire ouvrir une autre fenêtre dans votre navigateur et accéder directement au journal Le Monde dans sa version papier. Et cela est possible pour Le Monde, c'est possible pour un certain nombre d'autres journaux. Et comme vous voyez, par exemple, ça permet, très entre autres, si vous utilisez la capture d'écran, de récupérer directement l'article tel qu'il est imprimé dans le journal Le Monde. Ça n'est pas forcément nécessaire, mais ça peut être un côté intéressant. Donc là, comme vous le voyez, la nouvelle fenêtre Firefox, elle a ouvert le Monde à la date du lundi 21 septembre 2020. Et ça veut dire que vous pouvez ensuite feuilleter de page en page la totalité de cet exemplaire du journal Le Monde. Donc je pense que la démonstration est relativement claire. Je ne vais pas feuilleter tout le journal, mais en tout cas, voilà, sachez que c'est possible de faire ça. Voilà pour la démonstration concernant Europress, elle était un petit peu longue. De manière générale, ce tutoriel est un peu long. Je vous l'ai dit au début, il est possible de saucissonner. J'espère que vous l'avez fait. Si vous n'avez pas saucissonné, c'est bien. Ça veut dire que vous avez la santé pour vous taper des tutoriels de 1 heure. C'est bien. En revanche, j'espère que vous avez bien pris des notes parce que c'est grâce aux notes que vous aurez prises que le cours sera synthétisé et directement utile pour vous. Bonne journée !